Initiating system 1. System 1 loaded. Hoyo Minasan, c'est Gunshow et aujourd'hui je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mon aventure. Donc c'est parti. Alors, oui, on va. Donc là, en fait, j'étais à la ferme des Abernathy. J'ai réussi à trouver leur. On va dire le médaillon de leur. Famille. Leur famille, ouais. Et j'espère que vous avez conscience de tout ce que vous avez fait pour nous. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je fasse maintenant. Je crois que j'ai fini avec eux. Hein. La dame, je crois qu'elle me demandait des pommettes. Je veux juste faire un échange. Allez-y. Ok. Je crois que c'est bon. Ouais, clairement, maintenant je peux prendre les choses. Ok, d'accord. Foutu pillard. Il manque pas d'idées pour faucher ce qu'ils veulent. Moi je veux bien ça, je peux. Ouais. Bon, je le relaisse. Blague. Carvanier, je sais combien sur. Oh, c'est bon, je suis là. Pas besoin vraiment. Non, j'ai rien. Ok, donc là ça c'est fini. Qu'est-ce que je vais pouvoir y aller faire quand même? Ok, ça c'est pour la quête principale. Je crois que j'ai une idée, je vais faire ça. Je peux plonger là à l'aéroport. Lequel tu sais. À Port de Boston. Je crois que c'est celui-là là-bas. Enfin, on est là. Tout ce qu'on associe naturellement à la confrérie. Oui, parce que c'est la confrérie. Hey, vous trouvez que ça va mal dans le Commonwealth? Vous devriez voir les terres désolées de la capitale. Ouais, je sais, c'est pas tout rose là-bas aussi. Je l'ai vu dans la Fallout 3. C'est pas tout rose. Ok, bonjour. Je vais passer pour. L'hélicoptère devrait nous donner la supériorité nécessaire pour gagner cette guerre. Non. À part là. Le prix d'Ouen fait notre fierté à tous.
sais pas trop quoi penser, Lusky. Sûrement c'est là dans le jeu. Salut, chevalier. Salut, chevalier. Ne fiez pas à l'âge de ma femme. Je vais parler à qui ? Ce scribe-là. Ah, moi, j'aurais dit là-haut. Hein. Je peux pas me TP dedans. 4... Ah, si, je peux me TP dedans, ça. Mais genre, je vais faire ça. Je crois qu'il y avait un truc pour aller directement, mais je vais me TP directement comme ça, au moins. Ça, c'est réglé. Voilà. Voilà, je suis à l'intérieur. Bon, j'espère que là tu vas pas tomber dans le vide. Donc c'est parti. J'espère que le scribe coopère pleinement avec vous. Avez-vous déjà fini? Ou avez-vous juste des documents à me donner? J'ai des documents, voilà. J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Fantastique. Je vais m'en occuper sans attendre. Voici les capsules promises. What? N'oubliez pas. Le Commonwealth est une source quasi infinie de documentation technique. Fouillez de fond en comble les bâtiments que vous explorez au cours de vos patrouilles. Et vous pourriez avoir d'excellentes surprises. Ok. Bon, ça a rapporté quand même, ramener tout ça. Lui, ça sera un devoir, docteur. Faites cuire une boîte de... Dance ? Alors, on poursuit la mission, soldat ? Pas maintenant. Aucun problème. Dites-moi quand ce sera bon pour vous. Sa quête, il y a eu un bug, je crois. Ah oui, bon, monsieur là-bas. Regardez qui voilà. J'imagine que tout s'est bien passé. Oui, la récolte n'attend plus que nos récupérateurs. Je savais que c'était un travail pour vous. Voilà les capsules que je vous avais promises. Prévenez-moi quand vous aurez envie de rendre visite à une autre ferme. Ces fermiers ne savent pas la chance qu'ils ont. Ils ne risquent pas leur vie pour le bien de tous, eux. Vous avez quelque chose de spécial ? J'ai quelques modules sur lesquels je travaille. C'est un de mes passe-temps favoris. Mais attention, c'est du lourd, là. Ajoutez-en quelques-uns à vos armes, et je vous garantis... Ok. Je suis disponible pour du travail supplémentaire. Vous tombez à pic. J'ai une autre ferme pour vous. C'est quoi déjà la mission ? Informez les fermes du Commonwealth qu'elles vont soutenir l'effort de guerre de la confrérie de l'acier. Ça marche. Voilà ce que j'aime entendre. La ferme figure sur votre carte. Montrez votre force de persuasion à ces civils. Il avait un enfant. Okay. Or, cette armure va nous rendre dingue. Rien de pire que d'avoir des démangeaisons impossibles à gratter. Connétable Ingram. Prenez soin de votre armure assistée et elle vous permettra de traverser toutes les épreuves. Ok, elle est où ma armure assistée? C'est cela? Attendez, je vais voir quand même. C'est dans l'hiver. J'ai même pas voulu. Si nous voulons conquérir le cœur de la poche, nous devons répondre. Ok.
Ok, c'est celui-là. Ok. Ok, c'est tout ? Sérieux ? Attention, je tire ! Ok. On a beau gagner tout. Mon armure assistée, si j'ai bien compris, c'est celle-là. C'est parti. Bon, mais j'ai récupéré mon armure assistée. Ah la vache, ça en fait du métal. Ah, sûr d'être invincible. Merci. Allez, mais tant pis. C'est pas mal. Putain, j'ai 28 corps. Ok, je reste avec l'armure. Bon, quelques temps. Ok, donc ça, la dire, ça c'est bon. Temps, ok. Ça, je peux pas la rendre, c'est chiant ça. Parce qu'au moins, je peux la bazarder cette quête. Même pas, je peux pas la bazarder. Que j'ai résumé en tout cas un peu. C'est une quête impossible à rendre. Donc, parler à ce que vous avez content, ça s'en va, ok. À bord du petit cœur. Bon, on peut refaire ça. Quoi, pour faire ça quoi. Hein, j'ai intérêt à trouver des sites où il y a beaucoup d'aluminium. J'arrive encore en retard au rassemblement. Ok, c'est sur celui-là que je vais aller. Okay. On va faire ça. Ok, allons-y les filles. Bienvenue à bord, chevalier. Tout est en ordre. Parez au décollage. Allons tuer du super mutant. Si vous vous rappelez bien la quête, c'est que je dois arroser, on va dire, des super mutants et leur piquer des, comment dire, des munitions pour le Fat Man. Donc voilà, donc c'est parti. Ok, juste à côté en plus. What? Ok, bon, désolé pour ce son bizarroïde. Ok, je descends. Mais non, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre là. On va dire, j'ai. Non mais. Ah.
Putain, mais c'est le légendaire. Parce que, ah, ok, il faut sécuriser maintenant. Allons sécuriser le fort alors maintenant. Ah, si j'ai déjà fait. Allons sécuriser ce fort. Allez, allons tuer ces sous-temps. Bon, ça change pas de la dernière fois, c'est toujours horrible l'endroit. Qui est là? C'est personne. C'est quoi? C'est déjà quelqu'un qui vous a déjà tué une fois. Je pense pas. Je pense pas que c'est dans leur nature. J'aurais dû nous chasser un peu. Plateau de télé, je sais pas si c'est pas le plus. Normalement, ça donne la millenium. Normalement, on va voir ça à divers. Bric-à-brac. Plateau. Télé. Ok, plateau de télé, ouais. Je vais récupérer le plateau de télé si j'en trouve. Tire pas sur Piper, oh, enfoiré. Ouais, super mutant quoi. Oh. Okay.
Je vais t'éclater mort. Ta gueule. Au revoir. C'est l'heure de mourir. Ouais. Ça y est. Quoi se faire respecter là-dedans. Avec plumeau et une bonne centaine d'années, cet endroit serait propre comme un sou neuf. Ah bon. Ok. Thank you.
Tu es là, quelque part. Les voilà. Non mais saleté, oh. Où ils sont passés? Ok. Oh, mon de super mutant. Ah non, c'est bon, ça donne de la lumière. Ok. Tout ça. Oh my god. Pas tout ça. Oh my god. Il y en a des choses là. Toutes ces caisses. En plus j'ai vu ça la dernière fois. Ah, mais good.
de l'armée qu'il y a. Bon allez, c'est parti. Je crois qu'il y a rien de toute façon pour moi, je sais pas. Donc voilà, ça j'ai visité, ok. Bon, ça c'est bon, toc. Je suis long comme ça, ça me saoule. Que je suis trop surchargé. Je crois que je vais garder une apparence humaine un peu plus longtemps, alors si on pouvait partir... Hey. Allez-y, parlez. Vous cherchez quelque chose de précis ? Apparence humaine. Ok. Ah merde, t'as déjà sur toi les trucs. Oh, oh shit. Bon, ben, je vais garder. Je vais vraiment zapper de lui enlever les choses qu'elle avait sur elle la dernière fois. Ok, bon, et là j'ai fini je pense avec ce bordel. On va remonter un peu à la surface. Je crois que j'ai évité ici. Les chiottes, est-ce que j'ai évité les chiottes? Bon, il y a rien, je vais le vérifier. Ouais. Oui, ça va. Pourquoi tant de haine envers les super mutants? Ils ont tué un ami. Un ami très proche. Un chevalier de la confrérie qui s'appelait Cutler. Voilà pourquoi le mot haine ne suffit pas à décrire ce que je ressens pour eux. Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité. Faire un pas hasardeux en avant pour revenir deux pas en arrière. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau. Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les éradiquer, mais voilà qu'on découvre les synthétiques. J'ai vu de quoi les supermutants sont capables. Je ne peux même pas imaginer les ravages que pourraient causer les synthétiques si on les laissait proliférer. Ce serait la fin du monde. Encore. Et peut-être le coup de grâce pour l'humanité. Désolé. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes élucubrations. J'espère juste que vous comprenez l'importance de ce type de mission. Vous n'avez pas tort. Enfin... N'y pensons plus. Tout ce qui compte pour le moment, c'est que la mission soit une réussite. Les ogives sont à nous. Vous devriez retourner à bord du Pridwen. Maxon attend certainement votre rapport avec impatience. Rompez. Paladin. Alors, on poursuit la mission, soldat ? Putain, je peux pas lui rendre. Pas maintenant. Aucun problème. Dites-moi quand ce sera bon pour vous. Je peux pas lui rendre la quête. Ok. Bon. On sort de ce machin. Hop. Une qui a loupé une marche. Ah bah c'est fait TP là. Ok. Bon, sortons cet endroit.
C'est une qui va piquer une crise qui a été irradiée. Tu fais pas ce mieux avec toi. Avec un peu de chance, peut-être trouver des armes. Ok. Allez, on sort de cette chose. Voilà. Enfin, sortie de ce fort. Allez. Je vais aller sur le Codoen en TP, donc voilà, c'est parti. Alors, Codoen. Ok. Nous y sommes. Bon, c'est tout. Je vais tous les autres. Donc voilà, nous sommes à bord. Donc maintenant, je vais discuter. Général. Excusez-moi, aîné Maxon. Vous avez fait de l'excellent travail à Fort Strong, soldat. C'est un honneur de servir la confrérie. Ravi de vous l'entendre dire. D'autant que notre mission ici ne fait que commencer. Nous aurons besoin de toutes les armes disponibles pour combattre l'Institut. J'ai toujours à cœur de donner le meilleur équipement possible à mes soldats. Tenez, c'est pour vous. Les balises fumigènes permettent d'appeler un vertiptère quand vous avez besoin d'un transport aérien. Il suffit d'en lancer une sur le sol et le vertiptère sera guidé par la fumée électromagnétique qu'elle émet. Une fois à bord, vous pourrez choisir votre destination sur votre Pip-Boy. Il sert d'interface avec le système de navigation du pilote. C'est super ça! J'ai besoin de capsule. Le vertiptère pourra rester et participer au combat? Malheureusement, je ne peux pas me permettre d'assigner un appareil de combat à cette seule tâche. Un transport standard devra suffire. Ceci étant dit, rien ne vous empêche d'utiliser la tourelle embarquée. Ok. Merci, aîné. J'en ferai bon usage. Je n'en doute pas. Comme vous vous en doutez, Fort Strong n'était que la première étape de notre campagne de libération du Commonwealth. Une tâche autrement plus grande nous attend. J'imagine que vous avez déjà compris que notre arrivée dans le Commonwealth n'a rien d'une coïncidence. Si nous sommes ici, c'est parce que les éclaireurs du Paladin Dance ont détecté des signaux énergétiques pour le moins singuliers. D'après nos scribes, ces signaux indiquent un niveau technologique dont seul l'Institut est capable. À la lumière de cette information, notre mission nous a semblé couler de source. L'Institut et tous les responsables de la création des synthétiques doivent être éliminés, quoi qu'il en coûte. Pour atteindre cet objectif, nous devons localiser leur quartier général. J'ai demandé à nos scribes de passer le Commonwealth au peigne fin, mais ils n'ont rien trouvé. Par où je commence? Je veux que vous soyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. J'ai l'impression que vous accordiez déjà beaucoup d'intérêt à l'Institut avant même de vous joindre à nous. Je suis sûr que vous saurez où chercher. Si vous trouvez le moyen d'infiltrer leur infrastructure, je vous ordonne de m'en informer immédiatement. Avez-vous des questions, chevalier? Ok. Vous avez une idée pour la suite des opérations? Vous devriez suivre la piste du docteur Amari.
Nous ne savons pas encore s'il s'agit simplement d'une illuminée ou si elle peut vraiment nous aider. Mais nos sources indiquent qu'elle dispose d'instruments de haute technologie. Autre chose, chevalier ? Et les signaux énergétiques détectés par l'unité de reconnaissance du paladin Dent ? En raison de leur fréquence anormalement élevée, nos scribes sont persuadés qu'ils émanent d'équipements de l'Institut. Malheureusement, nous n'avons pas pu déterminer leurs sources. Nous en détectons toujours de temps à autre, mais ils disparaissent dès que nous envoyons une équipe sur place. Restez sur vos gardes. Nous craignons que ces signaux proviennent d'un nouveau type d'arme de l'Institut. Y a-t-il autre chose ? Il n'y a pas de documents d'avant-guerre qui pourraient nous en apprendre un peu plus sur l'Institut ? D'après nos propres recherches, l'Institut serait né sur les cendres d'un campus universitaire d'avant-guerre. Le Commonwealth Institute of Technology. Les ruines du campus sont au centre de la ville. Mais nous les avons déjà passés au peigne fin. Les lieux sont abandonnés depuis très longtemps. Pour l'instant, la piste s'arrête là. Autre chose, chevalier ? Ok. Pas pour l'instant, aîné. Très bien. Vous pouvez disposer. Vous auriez une minute ? Ouais. Bien sûr. Bien sûr. C'est à propos de ce que vous m'avez dit au sujet de Nat. J'y ai beaucoup repensé et... Vous avez raison. La famille, c'est quelque chose de trop précieux. Quelle vie elle aura si je m'éloigne trop d'elle ? C'est juste que... Parfois, j'ai l'impression qu'elle et le journal sont les seules choses que j'ai dans la vie. Avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un comme vous, c'est très important pour moi. Il y a peu de gens qui acceptent de fréquenter une fouille merde dans mon genre. Ok, si vous plaindre, sarcasme. Peut-être. Mais moi, j'aime bien les fouilles merdes dans votre genre. Vous êtes l'exception. Je me suis pas fait que des copains dans ce boulot. Je voulais simplement résoudre les problèmes. Et quand Nat et moi, on est arrivés à Diamond City, c'était pas les problèmes qui manquaient. Des gardes véreux, des infrastructures minables. Il y avait même une brèche dans le mur extérieur qui avait été bouchée avec une étagère. Une étagère, c'est tout. J'ai commencé le journal plus par désespoir qu'autre chose. Mais il s'est avéré que j'étais pas la seule qui voulait que les choses changent. Quand les premiers numéros sont sortis, les gens n'étaient pas forcément tous d'accord avec moi. Mais ils étaient réceptifs. Une étagère ? Sérieusement ? Même pas de scotch ? Même pas ! Mais maintenant, on voit plus le trou. Ils l'ont bouché au mortier, avec des briques, et tout ça grâce au journal. À la sortie du premier numéro, j'ai eu l'impression de faire enfin quelque chose qui en valait la peine. Mais ensuite, les choses ont changé. Les gens me parlaient plus de la même façon. Du jour au lendemain, j'étais passée de Piper, bonne copine et confidente, à Piper, la fouille merde. Depuis, beaucoup de gens me traitent différemment. Ça m'a vite donné le sentiment que je pouvais plus compter que sur ma petite sœur. Depuis le temps, ça m'étonnerait que les gens continuent de vous traiter comme ça. Pour tout vous dire, ça a empiré. Je me suis tout de même fait des amis dans tout ça, mais maintenant, ma réputation dépasse les murs de la ville. C'est pour ça que j'ai autant de chance d'avoir quelqu'un comme vous. Vous n'avez pas peur de moi comme les autres. J'étais persuadée que le journal serait la meilleure chose que je ferais de ma vie. Mais depuis que je suis avec vous, je sais plus. J'avais besoin de quelqu'un comme vous dans ma vie depuis longtemps. Mais je m'attendais pas à ce que ça m'arrive vraiment. Alors merci. Merci de m'avoir offert votre amitié. Courtisé. Bon allez, on J'ai comme l'impression que vous aimeriez qu'il y ait plus que de l'amitié entre nous. Je mentirais si je vous disais que j'y ai jamais pensé. Pas que j'y pense constamment non plus, hein. Mais je suis pénible, têtue comme une mule, et je me retrouve toujours dans des situations ingérables. Sérieux. Alors, pourquoi quelqu'un comme vous voudrait une enquiquineuse comme moi ? Difficile à croire, j'ai déjà vu pire. Bon allez, soyons fleur bleue. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, Piper. Pour moi, vous êtes déjà la femme idéale. Idéale, hein ? C'est nouveau, ça. Eh ben, dans le genre idéal, vous vous posez là, vous aussi. Je sais pas quoi dire. Vous êtes une sorte d'idéal pour moi. Venez, le monde nous attend. Ok... Vous avez atteint d'affinité maximum
enfin maximale, avec Vapeur à débloquer la petite gouaille. What? C'est quoi gouaille? Ok. Ok. Dormir à côté d'un compagnon auquel vous en donnez une relation amoureuse, confère du temps étreinte amoureuse. On capte toujours des signaux radio inconnus. Ok, d'accord. Je vais essayer de filtrer. Ok. Bon, ben, par cette action, on va dire, voilà quoi. De personnage à personnage, PNJ dans un jeu chaotique de Fallout 4 qui ressemble à une amourette des temps toxiques. Donc voilà. Donc, je vous laisse sur cet épisode. À 100% donc, à plus tard pour une autre aventure sur Fallout 4. C'était Gancho. Bye bye!